bientôt. Salut. Et voilà. Coucou, on est le 29 mai, il est 16h, on est au sud d'Auckland, dans le département Waikato, je crois que ça s'appelle comme ça, et on commence gentiment à explorer l'île du Nord, plus le Northland mais l'île du Nord. Donc là on vient d'arriver à notre free camp, ça s'appelle Hamilton Gap, et du coup je vous fais une petite visite. Donc là on a l'accès à la plage, donc on est à l'ouest de la Nouvelle-Zélande. Donc pour la première fois on va avoir un coucher de soleil. Là on a une grosse montagne, des petites tables de pique-nique pour manger. Là on a les toilettes et la douche, froide bien sûr. Et du coup on est garé juste derrière, là, la petite butte. Ça a l'air quand même très sympa, très calme et on va être bien ici. There's a rhythm and rush these days. Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. Coucou, on est le mercredi 31 mai, on est toujours à Hamilton et là on va visiter le seul truc qu'il y a à visiter à Hamilton apparemment, ce sont les jardins d'Hamilton. On est avec Camille et Gauthier et voilà, on va aller faire le tour des jardins puisque c'est le seul jour où il fait beau, donc on en profite. Du coup, je voulais juste vous montrer les douches, comment ça se passe pour nous. Donc là, on est dans un camping payant. Donc on a payé 25$ pour nous deux la nuit. Donc ça fait 13€ à peu près. Donc c'est plus que correct. Le camping est vraiment cool. Et du coup, on a accès à des sanitaires. Donc bien sûr, les toilettes qui sont gratuites. Mais on a les douches. Et donc c'est une douche comme ceci. Et donc ça fonctionne avec ce genre de petits boîtiers. Donc là, c'est 1$. Et on a 3 minutes de douche. 3 minutes c'est un peu short, mais là c'est une douche où je vais juste, je me lave pas les cheveux, mais demain potentiellement si on reste ici je mettrai 2$ pour avoir 6 minutes et pour avoir le temps de me laver les cheveux. Voilà, c'est l'heure du rasage. Oh, on est sur un Freddie Mercury. I want to break free. Voilà comment on va se rase en free camp. Dehors.
Et nous voilà sortis de Raglan, donc on n'est pas très très loin, on doit être une quinzaine de kilomètres, et là on va voir la Brida Vale Falls, qui est une cascade, qui a l'air plutôt sympa, et il fait pas très très chaud, donc on s'est équipé en conséquence, n'est-ce pas? Oui. On va affronter le blizzard, le froid. Ça va, il doit faire 15 degrés. Ouais, mais bon, il y a du vent. Il y a du vent. Allez. Naya. Naya, bandida, Naya. Motor camp à Ruapuke, donc on est à côté de Raglan, c'est un camping payant. On a payé 30 dollars pour deux et c'est vraiment super. Il y a une petite cuisine, il y a des douches gratuites, des toilettes, tout ce qu'il faut. Et c'est très très mignon, c'est juste derrière moi. Et là on va sur la plage pour essayer de voir le coucher de soleil. Et petite précision, le camping était fermé, mais vu qu'on n'avait pas réservé, bah on s'est pointé comme deux pélos. Et le mec il nous a dit bah ouais bah vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a que nous dans le camping. On est tout seul. Voilà, donc avec les deux gérants. Voilà, on est tout seul. Ils nous ont proposé de faire une partie de fléchette tout à l'heure. Donc voilà, et on a ça comme vue. Enfin c'est. On est quand même bien. Pour 30 dollars, donc 16 euros. Défi en France de trouver un camping comme ça, surtout qu'il y a une cuisine, des douches chaudes. J'ai déjà dit. Ah, t'as déjà dit. Regardez si on n'est pas bien là, sa cuisine, on fait un cake au brocoli, parce que c'est le seul légume qu'on avait. Regardez-moi cette cuisine, c'est cool, on a un four, on va pouvoir faire un cake pour la première fois en 2 mois. Ah ouais, maestro de la poêle quoi. Ok. Kumara, c'est patate douce. Roastée, grillée avec ouais. Du romarin. C'est le propriétaire qui ont cuisiné ça et du coup ils nous ont laissé un petit peu parce qu'ils en avaient trop. On va se régaler ce soir. Hello. On est le 3 juin. On vient de partir du free camp dans lequel on a dormi cette nuit. À 45 minutes d'Hamilton. On avait dormi dans le coin dans l'optique de remonter vers Tauranga aujourd'hui pour pouvoir trouver du travail. Mais comme quoi dans ce voyage rien n'est écrit puisque ce matin Val sur un coup de tête a décidé de faire une activité qui n'était pas du tout au programme aussitôt dans le voyage. Mais du coup bah on y va, il a réservé ce matin.
Bon bah comme vous l'aurez compris, on est à Hobbiton. Et voilà, et donc on a quasiment terminé la visite et c'était trop trop cool. On avait eu plein de petites maisons de Hobbit, des trous de Hobbit, la maison de Bilbo et de Frodon qui est tout là-haut. Et trop trop bien, le petit lac. Et là on va boire une petite bière à l'auberge du Dragon Vert. Donc voilà, c'est trop trop cool. Et toi Mélo? Oui, même moi qui ne suis pas une grande fan du Seigneur des Anneaux comme vous le savez, en vrai j'ai kiffé.